besoin de faire renaître Sophie Marceau. Sophie Marceau est éternelle. Elle avait envie de faire une comédie qu'elle s'y est attelée. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est Pierre Richard hein, qui a une perruque et qui s'est maquillée. Magnifique. Ouais, ça lui va bien. Il est en post-prod. Elle était encore en tournage la semaine dernière. Elle finit les encore 2-3 jours et sinon elle est en montage. I think what is strong in French cinema is maybe the big presence of female directors. C'est un dessus de table. Alors, Un amour impossible, c'est adapté de Christine Angot. Ah oui, bon. Et c'est Corsini. Le script était sublime. C'est un des plus beaux scripts que j'ai jamais lu. C'est un sujet qui est extrêmement dur. Tu tapes pas sur les cuisses, hein, sur celui-là. Et ben c'est pour les journalistes. On est un modèle à part et un peu différent du modèle dominant, quoi, qui est le modèle, disons, américain, du spectacle américain. Tout le respect qu'on peut avoir pour le cinéma américain, on est un modèle différent, qui intègre aussi du spectacle, mais qui intègre aussi autre chose. Quoi. Puis c'est très agréable dans les couloirs de croiser à la fois Marion Cotillard, Fanny Ardant, et puis des jeunes acteurs qui démarrent dans la vie. Venez filmer Xavier, ça vaut le coup. Vas-y, toi. Ça va? Ouais, ça va bien. Ça se passe bien? Bah écoute, on parle beaucoup plus de choses générales intéressant, quoi. Ouais. Que la promo française où on est tellement dans le film. Là, on parle des paysans, la guerre, c'est beaucoup plus excitant. Enfin, moi, je m'ennuie pas une seconde, en fait. Quoi. Les journalistes, ils sont hyper balèzes, ils posent des super bonnes questions, ils sont vraiment dedans. Sans doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas cloisonné, je dirais. C'est-à-dire qu'ils n'essaient pas de rattacher un metteur en scène à un film d'auteur, pas film d'auteur. Ils sont sur le propos. Et ça, c'est très agréable. Vous voulez quelque chose, café ou autre? Non, merci, moi ça va. Moi, je veux bien un café. Si possible. C'est ici. Arriver, tu vois, c'est ça le problème. Ah, c'est vrai. C'est ici qu'on se met. Ouais. D'accord, on va très bien. Okay. Ça vous va? Bah, c'est parfait, pardon. La French Touch, non, c'est. Comme le dire, c'est Catherine Deneuve. C'est ça la French Touch, je pense, c'est ça. Mm. Catherine Deneuve. C'est pas mal, ouais. On parlait de éventuellement d'avoir quelqu'un qui faisait l'interprète ou non? Oui, il y a une interprète, je vois. Oui, il y a des interprètes. Parce que sinon, ça va pas être hyper vendeur pour le film, quoi. Bon. Yes. Ok. I mean, at the beginning, there was. And it is because there is a very famous disease in France in the 90s. And, like the Vache Folle? Yes. Vous l'avez fait en italien, l'interview? Hein? Vous l'avez fait en italien? Je parle pas italien, je comprends l'italien, capisco l'italien, no. Parlare è complicato. Vous pouvez la faire en quelle langue? Anglais, espagnol? Malheureusement, on arrive à l'Eldorado actuel, qui est l'anglais. Sauf si vous parlez français, mais. Ah! Ah! Putain! Je suis contente de te voir. Mais merde, ça et puis. Me sent Ah oh, oui, je suis dégoûtée. Tu réalises? Non, je joue. Ah, tu joues, c'est vrai. C'est moi, je suis dégoûtée. Ben, je sais. Bon, c'est pas grave. Hein. On aura d'autres occasions, j'espère. À bientôt. Salut. Merci. C'est vraiment la grande famille du cinéma français. Oui. Alors, non, pas mais fin. Mathieu, pas à Mathieu, oui. Oui. Ça, je l'affirme. Moi qui croyais que c'était un panier de crabe, en fait, pas du tout. Alors. Oh non, pas avec Mathieu. C'est l'histoire, c'est les récits. Voilà. Et on est en train, c'est ma
écrivain français est en train d'écrire son grand récit national d'année en année, totalement, de manière totalement désinhibée et totalement, comment dire, en entrant de plein pied dans la mutation qu'est en train de connaître le cinéma.